Métro, écoute, chez Métro, cette semaine, tu as le beefsteak d'Aloyo, le T-bone, hein, le super T-bone à 6,99 la livre, tu peux faire 15,41 le kilo pour un steak comme ça. Tu sais, ça vient avec l'os, ça, c'est le T-bone. Puis moi, j'aime bien, là, des fois, parce que des fois, c'est raide, ça. Quand tu sais pas le choisir, quand tu veux l'avoir trop beau, ben, quand il arrive qu'il est bien beau dans le plastique, là, dans son petit contenant, mais quand tu le fais cuire, puis tu le mets dans ton assiette, pas mangeable. Il faut qu'il soit clairsemé de gras, là, il y a du persillage qu'on appelle. Hein? Puis de toute façon, il y a toujours le petit filet mignon qui te raccroche après ça, que lui, tu es toujours sûr qu'il est bon. Là. Mais quand même, c'est tellement bon, et t'es bon quand c'est bon, puis c'est tellement bien ordinaire quand c'est pas bon. Là. Ça, c'est sûr. Mais écoute, à ce prix-là, c'est sûr qu'il est très simple à le choisir. Mais ça, là, de toute façon, peu importe le prix, même si tu payerais le prix que ça vaut, c'est-à-dire 35$ le kilo, bien, si tu ne le prends pas avec du persillage, il va être la même chose là, qu'à 15$ le kilo. Ça ne change absolument rien, là, le prix. C'est juste dans ton portefeuille que ça a une différence. Ça, c'est sûr. Aussi, chez Métro, écoute, le filet de porc. Ah, le filet de porc, on ne l'avait pas vu depuis 2 semaines à peu près. Écoute, à 2,99 la livre en plus, son super prix, ou 6,59 le kilo pour du bon filet de porc de chez Métro. Ça, là, c'est sûr, cette semaine, j'achète ça. Ça va être effrayant. Il y a tellement de bonnes petites recettes. C'est sûr que je vais t'en faire des petites recettes. Là, je participe les recettes. Là, fait que tu vas voir là, de plus en plus. Il va y avoir des recettes de papa. C'est pour ça que je te dis, va vraiment t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux rien manquer. Hein, parce que c'est là qu'il va y avoir les playlists. Puis il va y avoir les recettes. Des fois, les recettes d'une partie, deux parties, trois parties. Puis ça, tu vas les voir dans les playlists. Puis je peux le faire juste avec YouTube. Fait que vas-y t'abonner pour ne jamais rien manquer. C'est super. Donc, le filet de porc. Écoute, c'est la protéine par excellence, parce que, écoute, il y a beaucoup de protéines là-dedans. C'est super maigre, c'est facile à cuisiner, c'est dur à manquer, en fait, du filet de porc. Tu peux pas manquer ça, tu peux juste le réussir plus. C'est juste ça qui peut arriver. Aussi, chez Métro, écoute, qu'est-ce qu'on a? Ça, j'ai pas ça, là. Le petit poisson, le filet de poisson eyeliner. C'est un poisson déjà préparé. Hein? Ça coûte assez cher normalement, mais là, 7,99, la moitié prix. Ça a du bon sens, tu n'as rien à faire, tu mets ça dans le four, puis c'est du vrai poisson, tu sais. Fait que c'est bon, puis il y a des petites panneaux, il y a plein de variétés. Vraiment, c'est un dépanneur, là, fantastique. J'ai mangé ça hier soir, justement, là, c'était super bon. Avec un petit riz, tu mets un petit légume avec ça, là, puis tabarnouche. Tu te retrouves avec un petit souper vraiment vite fait, puis économique quand même, on s'entend. Fait que écoute, c'est chez Métro que ça se passe. Fait que c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Écoute, n'oublie pas, hein, fais-moi un petit commentaire, un petit j'aime, partage ça. Il faut absolument que tout le monde qui voit au Québec, qui voit la liste de papa, c'est un must, là, franchement. C'est sûr, surtout si t'es la personne qui fait les repas, qui fait les épiceries. Là, c'est sûr que c'est intéressant, la petite vidéo de papa popote, c'est sûr. Puis si tu vas t'abonner en plus VIP, ben là, tu as la liste complète là, en PDF, en web, avec le prix que, vraiment qui vaut versus le prix en spécial. Puis c'est vraiment bien fait. Je te le conseille vraiment, là, c'est un aide super. Sinon, ben scrute, prends l'heure qu'il faut pour scruter les circulaires comme il faut, puis aller chercher les beaux rabais, parce qu'il y a vraiment énormément d'argent à sauver, c'est sûr, quand on cuisine les rabais de la semaine. Ça, c'est sûr. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote.